Salut, c'est Boisdin! Et Boisdeux! Aujourd'hui, deuxième vidéo Lego. Et oui, on vous l'avait promis, on vous l'avait dit, on va refaire des vidéos Lego. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, le principe de cette vidéo, c'est qu'on a chacun un petit pot. Et dans ces pots, il y a exactement les mêmes pièces, à peu près. Il y a peut-être un ou deux pièces qui changent. C'est Boisdeux qui a fait les pots. J'espère que t'as pas choisi ton préféré. Non. Non. Ou sinon, j'échange. On échange. Voilà. Merde. Voilà. Et on aura 5 minutes, comme ça, 5 minutes, pour construire un Batwing. Un Batwing. Un Batwing. Donc, on construit la même chose. Et à la fin, bah, le but, c'est de juger lequel sera le plus beau. Enfin, c'est vous qui allez nous dire en commentaire. Après, bon, on s'en fout. Le but, c'est de, oui, c'est de s'amuser aussi. Hein, je t'avoue que j'ai un petit peu peur, Boisdeux, parce que moi, j'ai construit des trucs en Lego, mais ça remonte. Alors que toi, c'est plus récent. Boisdeux est un maître constructeur beaucoup plus dans ce qui se fait actuellement, en pièces de Lego, etc. Et t'as plus de Lego chez toi, t'as fait plein de trucs. Alors, encore une fois, allez voir son Instagram, vous verrez. Hey. Voilà, donc j'ai un peu peur, ça fait plus longtemps que toi que j'ai pas inventé un truc en Lego. Mais bon, on y va ? Ouais. On y va ? Alors c'est parti. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah bon. Attends, tu te mets par terre toi, d'accord. Je vais faire pareil. C'est compliqué, hein. Il n'y a pas des pièces que t'as mis qu'une fois, juste pour le piège. Ah si, bien sûr. Ce serait pas drôle. Il reste combien de temps? On est à la moitié, mec, quasiment. Quoi? Ah ouais. Non. Ah si. Ah non, ça rentre pas, mais c'est de la merde, c'est les beaux. Non. Ah, il y a des pièces que t'as laissé attacher exprès, je suis sûr. Non. Ah, moi je commence à avoir un truc. Ah, je suis tellement en train de perdre. Il y en a qu'une de cette pièce de merde. C'est pas du juste. Et les pièces jaunes, y'a rien. T'as rien mis en pièces jaunes. Bah, c'est des détails, les pièces jaunes. Batman, il fait tout en noir. Hein, c'est l'arnaque. Non, moi je veux du jaune. Pas Batman. Je veux tellement du jaune. Mec, il reste 20 secondes. Quoi? Mais non. Ah, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Non, je veux l'autre. Je veux l'autre. Ah, ça va être fini. 3 secondes. Là, si je fais ça. Laisse-moi juste mettre du jaune. J'ai fini. Je mets du jaune là. Non, et on pose. Voilà pour ce défi Lego, dites-nous dans les commentaires lequel vous préférez. Je pense que je vais me faire exploser. Ouais. Juste à cause des aigles, des ailes. J'arrive même pas à le dire tellement elles me font chier. Attends, il n'y a pas que les ailes, il y a la tête qui bouge, il y a la queue qui bouge. Ouais, mais ça, non, mais la queue qui bouge, ça c'est un coup à s'écraser. Mais non, c'est pour orienter. Il y a un coup de vent. Non, il y a un coup de vent. Ça fait un peu plus chauve-souris, c'est vrai. Mais voilà, ouais. Le coup des trucs qui bougent, des ailes rétractables et tout, je vais me faire niquer, je le sais. Non, mais le tien, il est pas mal. Arrête. Le mien, il a un peu d'allure, il est très aérodynamique. Voilà. Ah, hein, bah ouais. Et moi, j'ai fait une place pour Batman. Toi, il se met où, Batman, hein? Dans le cockpit, là. Dans le cockpit, là? Ouais. Ah, d'accord. Ah, non, moi, il faut que le bonhomme. Moi, je peux mettre le bonhomme Batman dedans. Ah. J'ai même pas vu qu'il y avait des pièces. Toi, tu savais les pièces que t'avais mis dedans. Bah, il a triché. C'est moi qui ai fait les bocaux, donc forcément, je sais à peu près ce que j'ai mis dedans. Et en plus, il m'a dit, pendant qu'on le faisait, il m'a dit qu'il s'était. Alors, il y a très longtemps, parce qu'on a fait les bocals, les bocaux. Je les ai fait il y a 2-3 mois. Et quand je les avais fait, oui, j'avais testé un peu ce qu'on pouvait faire. Même, t'avais le souvenir de ces ailes rétractables. Tu savais que les pièces étaient dedans. Tu savais que tu l'avais fait. Tu savais que tu pouvais le faire. Moi, même, j'avais jamais vu les pièces. J'ai vu des pièces qui bougent. Évidemment, j'aurais fait des ailes rétractables de base. Non, mais bah oui, d'accord, je suis un peu mauvais. Moi, c'est plus que ce qu'un enfant de 10 ans aurait fait. Mais bon. Bon, je pense que j'ai perdu, mais c'est pas grave, c'est intéressant. 5 minutes, c'est vraiment peu pour faire un truc correct. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa comme défi. Faudrait le refaire avec d'autres thèmes. Dites-nous en commentaire lequel vous avez préféré. Évidemment, hein,
ça va être lui. Et dites-nous si vous voulez qu'on le refasse. Mettez un gros pouce bleu. J'ai envie de dire gros pouce bleu. Maintenant, il y a des gens qui se demandent, il est où le gros pouce bleu? C'est un pouce bleu normal, mais il est dans votre cœur. Voilà, c'est plein d'amour. Quand vous cliquez sur le pouce bleu, faut qu'il soit plein d'amour, ce pouce bleu. Et pourquoi pas nous dire en commentaire une idée pour un prochain défi en 5 minutes Lego. Il y a plein de choses à faire et peut-être que vous aurez des meilleures idées que nous. C'était Bois d'un et Bois deux. Oui, c'est moi. N'oubliez pas de vous abonner. Bois d'un et Bois deux, abonnez-vous, lisez des BD et mangez des frites. Ouais, pas des Lego.